salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Chaos. Alors attendez, c'est Chaos qui est un peu éclaté en ce moment. Donc voilà, je sens bien que ce sera une vidéo catastrophique. Bref, donc les amis, on se retrouve pour le 1 jour 1 coffret numéro 5. Le numéro 5, donc l'avant-dernier, donc ce sera sur un coffret Ectoplasma sorti également en 2016. Voilà, je pense que si maintenant il fallait essayer de battre Desi, ce serait quand même le coffret le plus simple, avec une turbo et une holo qu'elle avait eu hier. Bon, quand on regarde les coffrets qu'on avait déjà eu avant, c'est vrai qu'une holo, une turbo, du coup, bah, c'était une belle petite chute. Hein. Donc du coup, les amis, à l'intérieur, je vais vous laisser lire, parce que j'ai beaucoup de mal, pour ceux qui veulent lire, la petite pause. Du coup, à l'intérieur, on retrouvera une carte promo d'Ectoplasma, mais il me semble que c'est pas une promo, hein. Je crois que c'est une carte de vigueur spectrale en réalité. Donc on va vérifier ça. Une carte grand format d'Ectoplasma EX qui en fait donc est une jumbo. Voilà, on le redira tout le temps. 4 boosters du JCC et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Celui-là, s'il y a vraiment un code, par contre ce coup-ci, on va le garder pour Desi, je sais qu'elle sera contente. Surtout qu'elle aime bien Ectoplasma et qu'elle a eu un peu de mal quand même à choisir entre Ectoplasma et Mewtwo. Même si pour pas vous mentir, elle a foncé sur Mewtwo. Voilà, donc du coup, bah, les amis, on va s'ouvrir ça. Ok, ça s'ouvre assez facilement grâce au petit trou d'air là qu'il y avait ici, qu'il y avait un peu partout. Donc on va s'ouvrir ça doucement, hein. Je suis désolé si tout d'un coup je parle pas des masses, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc on va enlever le petit film, voilà. On va tout de suite le jeter, hein, parce que du coup ça on n'en a pas besoin. Alors, c'est quoi comme ouverture? Ok, c'est une ouverture à chier. Alors attendez, je pense qu'on passera peut-être derrière la caméra, éventuellement. Hein. Éventuellement, j'ai l'impression de parler du nez, c'est horrible. Alors, attendez, je passe juste derrière la cam pour enlever ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression de parler du nez, les amis, c'est horrible. Donc, je suis désolé, vous n'avez rien du tout, vous n'avez rien du tout à l'écran là au retour. Mais bon, je fais vraiment de mon mieux, je fais vraiment au plus vite, je fais mon maximum. J'ai beaucoup de mal, au secours. Au secours, j'arrive pas à l'ouvrir. Non mais franchement, regardez-moi ça, j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis désolé, du coup, ça met un peu plus de temps que prévu, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Au secours. Alors attendez. Ok, on est bon. Faut juste pas se faire couper et ça ira. Ok. French. Ok. Donc voici quelque chose, les amis, qu'en général, on ne lit jamais, on ne voit jamais, d'ailleurs, sur un coffret. C'est ceci. Donc à l'intérieur, vous voyez, quand on enlève la petite première languette, nous avons French Gengar EX Box. Voilà. Donc en gros, c'est le coffret Ectoplasma EX. Voilà. Donc c'est une très bonne technique que de le planquer ici. Voilà, voilà. Bref, c'est tout. Donc on va sortir ça, hop, tac, le petit carton, on va le mettre derrière. Et nous y voilà. Ok, alors, en attendant, c'est bien ce que je vous avais dit. Vous voyez, c'est une carte de vigueur spectrale qui en plus semble du moins éclatée. Donc on va juste, hop, on va ouvrir ça. Je vais juste passer derrière le temps de sortir la carte. Ça, en même temps, ça nous permettra de confirmer si oui ou non elle est éclatée. Alors attendez, ça on va mettre ici. Ouais, elle est un peu comme Julien. Voilà, elle est un peu courbée. Courbée. Bref, c'est une blague que j'aime bien. Donc vous voyez, regardez ici, voilà, on le voit. Malheureusement, ben, elle est courbée, quoi. Elle est Julien. Voilà, voilà, donc celle-ci, je pense qu'on l'aplatira, hein, très certainement. Parce que c'est vraiment dommage, du coup, mais bon. Bref, donc l'Ectoplasma EX de Vigueur Spectrale, celle-ci, elle est franchement super belle. On voit que c'est de l'Ectoplasma, hein, et il y a des Smarties de partout, il est un peu... hein, voilà, ça fait un peu hallucinogène. Franchement, c'est super, super joli. Donc c'est la 34 sur 119. Pour ceux qui connaissent pas le petit symbole de Vigueur Spectrale, quand le macro se fera, voici, voilà, il est ici. Voilà. Poupou. Donc en moins, du coup, bah, les amis, ça nous fera une ultra. Et bah ouais, on commence avec une ultra quand même. Donc on va enlever les boosters. Donc on aura un booster évolution. Ok. Un deuxième booster évolution. D'accord.
un petit booster impulsion avec le super Mewtwo. Voilà, le Mewtwo que j'adore. Et un Petou offensif. Alors, normalement, vous n'avez pas le code en entier. Donc, du coup, on va le garder pour Desi. Donc, voici enfin un code dans un coffret. Ok. Et donc, le Petou offensif. Donc là, je vous donnerai les codes de ces boosters, il n'y a pas de souci. Tac, donc on va faire... On va faire ça. J'ai envie vraiment de terminer par évolution, quoi. Ou alors, on enlève le Florizarre, parce que je déteste ce Florizarre, en fait. Je l'aimais bien avant, mais je... on va rester comme ça. Donc on va les mettre ici. On va juste récupérer la petite Jumbo, qui est pas petite, hein, bien entendu. Hop là. Tac. Et du coup, la Jumbo de Ectoplasma EX, qui est toujours de vigueur spectrale, hein, bien entendu, vu que c'est la même que la petite. Donc si celle-ci est une réimpression, celle-ci en moins... Oh là là, j'ai beaucoup de mal. Celle-ci, au moins, les amis, eh bien, c'est une vraie carte inédite. Voili voilou. Ok, bah ça, c'est cool. Donc on va la mettre ici. Hop, voilà. On va un peu plus la centrer. Hein. Voilà, on va faire ça. Du coup, bah, les amis, ça fait une ultra. Donc voilà, égalité avec Desi. Bah c'est une vraie ultra, hein, c'est pas une promo. Donc bon, on va la compter comme une ultra. Hop, on va la mettre là. Et du coup, bah les amis, on est parti. On va commencer avec offensive vapeur. Je vais peut-être vous zoomer. Hein, à voir comment ça va rendre. Donc allez, c'est parti. Mon kiki, comme on dit. On ouvre ça doucement, à voir si on a du mal. Normalement, ça a l'air bon, ça a l'air d'aller... Ça va, oui, ça va. Donc, le petit code, il est pour vous. Voici, voilou. On se fait du 3 et... et la quatrième, on l'enlève pas. Non. Tac, on se met comme ça. Et du coup, ouais, je vais vous zoomer une chouillette. Voilà, on va faire ça comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, allez, c'est parti avec un Persian qui fait... J'ai pas de rime. Je suis pas moi aujourd'hui. Un petit Galopa, c'est le papa de Ninja Amateur. C'est pourri. Un petit Furéglon Pyronie dans sa grotte. Voilà, on va essayer de guetter les illustrations de Sui. Dans Offensive Vapeur, je crois qu'il y en a. Ou alors je dis la plus grosse bêtise de l'année. Voilà, donc un petit Statitique. Ok, un petit sac de nœuds qui s'accroche à une branche, quoi. Oh oui, c'est ça. Un petit Scalpion qui fout les pattes et les pattes arrière. Les pattes et les pattes arrière. Dans l'eau, pardon. Un petit L'énergie en reverse. Et on terminera avec un petit Dimoré en rare. Ok. Alors celle-ci, bon, cette carte, ok, c'est Dimoré, tout ça. Mais elle a vraiment une pose dynamique, cette carte. Et ça, c'est classe. Ça, c'est vraiment classe. Bon, bah je sais plus comment Desi avait commencé, en fait, son coffret. Voilà. Non, il faut dire, on a une ultra ici, hein. Donc, on a une ultra. Le but, c'est de faire au moins aussi bien que Desi. Donc, elle avait eu une ultra, une holo. Ok, c'est de la triche. Voilà. Compter cette ultra-là, c'est de la triche, mais c'est pas grave. Le petit code, il est pour vous. Tac, on se fait du 3 et la quatrième. On ne l'enlève pas. Voilà, faut vraiment que je me le redise. Et c'est parti avec Magneton, un petit Magneton. La combine Kirlia avec un petit Monsieur Mime ici et un Staros. Qu'est-ce qu'il y a dans l'écran par contre ici? Alors attendez, tac, on va zoomer, on va regarder ça ensemble. Donc là, d'accord, donc c'est Kirlia. Là, c'est Staros. Ah bah là, c'est Monsieur Mime en fait. Ok, oui, d'accord, donc tout le monde sur une caméra. Voilà, un petit Miaous qui est dans son désert et qui a très très soif. Un petit Zoroa, coucou Amy. Un petit Tarsal qui est tout sale sur Flotajou qui montre sa joue à Sort Bébé. Sort Bébé, maintenant j'ai plus rien moi. Bébé qui fait le bébé devant une masse ball. Ok, et on terminera avec un Brutalibré en rare. Bon, bah les amis, c'était la folie au début, les coffrets de 2016, mais alors maintenant, voilà, c'est une descente en piqué. Dommage qu'il n'ait pas... Ah bah, coup de pied aérien, c'est presque ça. Ok, bon, eh ben on va passer... Oh là là, j'arrive pas moi ce matin. Donc on va passer à évolution, donc le booster Florizarre, le booster Dracaufeu. Forcément, on va garder Dracaufeu pour la fin, bien évidemment. Bah oui, parce que Dracaufeu. Vous voyez, parce que Dracaufeu, quoi. Je vais juste me recentrer parce que j'ai vu que j'étais pas super bien cadré. Hop! Donc on est parti. Donc pour le moment, Desi aura eu mieux avec son
sa turbo et son holo. Voilà. Bah écoutez, tant pis, c'était tellement la folie ces coffrets, donc franchement. Donc allez, un petit reptincelle qui fait des étincelles. Bah ouais, mais devant une double énergie incolore, non, ça va pas. Du coup, bah ok. Donc spray des évoluants, d'accord. Petit Magikarp qui fait la carpe devant Electek, qui montre ses pecs devant Goupix, qui... Goupix. Goupix qui fait Pipix. Qui fait Pipix devant Rattata. Rattata qui fait un tas devant une énergie plante. Ok. Donc en reverse, on aura l'énergie métal, acier. Zut, c'est acier, je crois. Oui, c'est ça. Et on terminera du coup avec un Ratatac. Donc avec un petit Ratatac en rare. C'est toujours mieux que la version Rodriguez que nous avons actuellement dans Soleil et Lune, hein, les amis. Vous le savez. Ouais, parce que la version Rodriguez, c'est la version Rodriguez. Bon. Et bah dernier booster, petit booster évolution, hein, vous voyez, voilà, pouf, évolution, avec le petit drac au feu, ouh, il est beau ce méga drac au feu, il est trop trop beau. Bref, pardon, je m'en excuse, on va essayer de voir ce qu'on pourrait dire avec les Pokémon qui traînent à la fin, et Amy, si tu passes par là, tu vois, ça c'est bien ouvert, non? Ça c'est bien ouvert, voilà. Donc s'il te plaît, maintenant, ça suffit. Oh, bref, le petit code, il est pour vous. Voici, voilà, on se fait du 3, hop, et on est parti. Allez, dresseur total soin, d'accord. Donc un petit match hopper qui fait peur à une potion. Bon, voilà. Donc une potion qui, je suis désolé, je m'excuse, qui montre son fion à Nidoran, qui fait en devant Machoke. Je sais pas, moi j'ai rien du tout. Ouais. Qui a un choc devant Caninos, qui sort un os devant Pikachu, qui a des poux sur une énergie psy. Qui va chez le psy avec Onyx. Bref, et on terminera du coup. Eh ben non, bah alors voici le coffret. Bon bah Dessy aura fait mieux, hein. Avec un Lamantine en rare. D'accord, bon on repassera. En plus Lamantine, bon j'aime bien Lamantine, mais quand même. Ah voilà, quand même, c'est Lamantine quoi. Encore je dis ça, mais quand j'étais petit, je l'avais dans mon équipe, dans Pokémon bleu et rouge. Oui, dans les deux. Donc bref. Hein, voilà. Bon, bah du coup les amis, on pourra noter qu'on aura eu quand même une ultra vu que c'est pas une promo. Ouais, ça par contre c'est chiant d'ouvrir un coffret et de pas avoir de promo. C'est très énervant. Vu que ça, bah voilà, comme vous le savez, donc c'est une réimpression de Vigueur Spectrale. Voilà, c'est ça en fait le problème, c'est que c'est pas une promo et que du coup le coffret perd énormément de son intérêt. Mais vraiment, après bon c'est un goût perso, si je dis pas de bêtises, Dessy est exactement pareil que moi. Donc voilà, on n'aime vraiment pas les coffrets en fait où ce sont des simples réimpressions. Un peu cette année comme le coffret Tyranocif par exemple ou le coffret Hipporoi. Voilà, c'est des réimpressions de, je sais plus, d'origine antique, c'est sûr. Et je crois, Hipporoi c'était un pack des destins si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment dommage en fait de faire ça dans les coffrets. Mais bon, voilà quoi. Donc du coup, en fait, le coffret, bah, il sera ouvert pour la Jumbo, qui est ici, qui est magnifique. Je vais juste vous redézoomer. Voilà, on va faire ça, et puis du coup, on va la baisser un peu. Hop, voilà, pour cette Jumbo, à la limite, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Hop, et on va mettre l'Ultra ici, vu que c'est pas une promo, c'est une Ultra. Donc on pourra dire une Ultra dans ce coffret. Voilà, faites vos pronos pour demain. Hein. du coup, alors, les amis... vidéo terminée. Juste avant de terminer la vidéo, je vais juste vous montrer les deux petits lots à gagner aujourd'hui. Vu que Dessy hier avait oublié de vous en montrer un. Voilà, donc je vais juste les prendre et je vous reprends tout de suite. Ok, on est de retour les amis, donc désolé, c'est juste que... Non, je l'avais pas oublié, hein, je suis pas comme Dessy, mais je voulais éviter de faire trop de bruit à la cam. Donc du coup, pour aujourd'hui, les amis, il y aura un booster SL3 Ombre Ardente, un booster Necrozma, voilà, vous savez le rêve de Dessy. Hein. Voilà, on attend toujours ce drac au feu à l'intérieur du Necrozma, mais bon. Donc un booster Necrozma, qu'on va mettre ici. Et pouf! Et un petit Oratoria GX de SL1. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore, voilà, ceux qui l'ont au pire ou à la limite, n'hésitez pas à dire que vous ne participez pas pour Oratoria.
Voilà, ça laissera hypothétiquement plus de chance à ceux qui ne l'ont pas, tout simplement. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez vous faire une armée d'oratoria, n'hésitez pas, hein. Nous l'avons déjà fait. Donc voilà, en plus on dirait un petit clown. Voilà, donc ça du coup, les amis, c'est pour aujourd'hui. Donc il y a un booster SL3 Ombre Ardente et un petit oratoria GX ici de SL1. C'est ça, je crois. Oui, c'est 149, c'est tout à fait ça. Du coup, les amis, écoutez, vidéo terminée. Nous, on se retrouvera demain pour une ouverture en duo sur le dernier coffret de ce Un jour, un coffret. J'adore, c'est vraiment un jour, une histoire. Voilà, j'adore. Faudra vraiment que j'essaye de vous faire des histoires en même temps. Parce que là, ce serait un kiff. Ça ferait un jour, un coffre-histoire. Ce serait bizarre, mais bon. Chiant, non. Oh, je suis en train de bugger. Donc, les amis, écoutez, nous on se retrouvera demain pour un coffret Léviator. La réception, les réceptions, ce sera en deux parties. Wizard plus une réception spéciale. Ça arrivera également très très vite. On voulait tout vous faire avant Noël, mais finalement il y aura peut-être une partie avant Noël et une partie après Noël. Voilà, donc n'oubliez pas non plus que pour Noël il y aura une petite facecam avec vos displays à gagner. Voici voilou, et que du coup je crois que je vous ai tout dit. Au pire il y a les commentaires, au pire il y a d'autres vidéos, donc ça il n'y a pas de souci. Donc du coup les amis, vidéo terminée, voilà ce coup-ci. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait pour toujours plus de vidéos et de contenu. Nous on se retrouvera donc demain en compagnie de Dessy pour faire le dernier coffret, le Léviator chromatique. On espère qu'après un départ canon, une suite un peu plus calme, on pourra terminer en apothéose, pourquoi pas, hein, ce serait vraiment bien. Ce serait chouette pour terminer ce concept. Et puis voilà. Donc du coup les amis, d'ici demain, portez-vous bien, prenez soin de vous et profitez à fond de votre passion. Salut à tous.